Hello tout le monde, c'est X-Martin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, simplement pour aller sur Brawl Stars. Nous allons jouer à Brawl Stars aujourd'hui et on va faire simplement l'événement, entre guillemets, l'événement du double jeton. Donc, on va participer. Donc, en gros, l'événement du double jeton. Il faut peut-être que je baisse un peu. Voilà, donc l'événement du double jeton. Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. En fait, dans ce qu'on va jouer, on va doubler nos jetons classiques. Donc, au lieu d'avoir 20, on aura 40, etc. En plus, j'ai des doubleurs de jetons. Donc, on va pouvoir se faire, entre guillemets, quelques boîtes à ouvrir. Ça peut être sympa. Donc, là, on va faire un mode normal. Donc, on est parti sur Brawl Ball. Parce que Brawl Ball, c'est quand même l'un des modes que je préfère. Le mode que je préfère même. Parce que j'aime beaucoup ces sièges, mais bon. Et donc, on est parti avec Jackie, où j'ai débloqué pas mal de gadgets, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est pas mal. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, on a trouvé une idée. Pourquoi pas faire carrément une sorte de. Je joue à Brawl Stars et carrément, je choisis aléatoirement des personnages à jouer. Ça peut être sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc, le gadget de Jackie, ça augmente sa vitesse et c'est très très pratique, j'aime beaucoup. Ça augmente sa vitesse pendant 3 secondes seulement, mais c'est quand même pratique et j'aime beaucoup. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper simple de gagner avec elle, franchement. Juste son gadget, j'aime beaucoup. Je suis vraiment fan. Bon là, Mortis! Mais Mortis! Mais merde, putain. Moi, je comprends pas. Apparemment, je joue avec des gens quand même. C'est incroyable, ils savent pas jouer. Bon, il aurait sûrement pas marqué, mais. Oh non, mais Mortis, voilà. J'ai pas confiance, donc j'y vais. Voilà. Parce que honnêtement, j'avais pas trop confiance en lui. Je me suis dit, s'il marque pas, imaginez, ce serait le drame total, clairement. Donc c'est pas mal. Franchement, je suis plutôt content. Moi, j'aime beaucoup Brawl Stars en ce moment. J'ai hâte qu'il sorte la mise à jour. Bon, même si on n'est pas en mai, j'ai hâte quand même qu'il ait la mise à jour de mai. Qu'elle va sortir assez rapidement. Et il faut aussi que je fasse combat de géant, effectivement, que je n'ai pas fait. Donc alors, on est parti pour du braquage. Et la prochaine vidéo que je ferai, c'est une vidéo sur Ninjala. Donc c'est un jeu qui n'est pas encore sorti sur Nintendo Switch, qui ressemble un peu à Splatoon et qui va avoir une version, entre guillemets, comment je pourrais dire ça? Oui, on va avoir une démo en ligne qui justement est de le 29 avril de 21h à 21h50. Donc je ferai une vidéo de 15 minutes. Voilà, je pense que ça peut être plutôt intéressant. On va prendre Billy. Parce que je pense que Billy, elle est pas mal pour tout simplement. Ah, je suis outsider. Ah, bah voilà, vous voyez, je suis outsider. Donc là, ça m'arrivait pas énormément de fois, mais quand ça arrive, c'est plutôt cool. Et ça fait cette animation notamment. Donc, oui. Et donc, oui, j'espère que vous aimerez cette vidéo. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir. Non, je me suis ratonné. Je me suis raté au niveau du machin. Comment je pourrais dire? Je me suis tellement raté. Bah il peut. Mince, je croyais que c'était mon bubble. Non mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, pour l'instant, j'ai hâte de jouer au jeu parce que ça. Ça m'a l'air quand même d'être un jeu intéressant. Voilà, bon bah c'était assez rapide comme game, ça va. Donc Outsider plus 4, franchement l'Outsider c'est vraiment pratique et j'espère que ça arrive souvent, mais c'est assez rare, franchement. Bon, on est parti pour du Radia. Autant faire du Radia. C'est quoi la map? Cette map, je dirais, pour un bon brawler, voilà, on va tenter quelqu'un. Je pense que Jackie, elle peut être pas mal. Moi, je la joue beaucoup aussi, Jackie, depuis qu'elle a son gadget. Donc, on est parti avec Jackie. Je pense que ça peut être un bon brawler pour.
Alors, on n'a aucun pouvoir star, ok, donc ça c'est déjà un peu handicapant. Heureusement, en face ils en ont qu'un, donc ça va. J'aime beaucoup cette map, je la trouve très très stylée. J'en ai touché personne, abusé. Donc, il a utilisé, je vois, ils doivent avoir leur gadget, la BA aussi, je pense. Déjà, on est sûr que le portable a gadget. Je pense qu'il doit avoir aussi. Merde. Je pense que la BA elle doit pas avoir le gadget parce qu'elle l'utilise pas. Or, elle l'aurait déjà utilisé, je pense. Parce qu'on a. On a quand même une peau d'urine qui. Alors voilà, poli pour les intimes. Poli pour. Peau d'urine pour les intimes, c'est poli, quoi. Voilà, nice. J'aimerais bien sortir le bar tabac et donc passer avec lui. Voilà, bim, effet de surprise. J'aime beaucoup l'effet de surprise, comme ça, là, l'effet de surprise avec ce Star Power. Je l'utilise et on se casse. Donc voilà, et là j'en ai gagné. J'aurais même pas été obligé de faire ça, mais voilà. Pour le fun, je me permets de faire mon petit ulti. Ah oui, d'accord, donc avec pouvoir 4, ouais, c'est vrai, apparemment c'est un peu bizarre le matchmaking, malgré qu'il est outsider. Je trouve pas ça terrible quand même. Hein. Donc vous voyez quand même qu'on gagne, on gagne quand même pas mal, hein, 80 avec le doubleur de jetons qui vous est proposé Oh bon, j'arrive plus à parler. Dans le shop. Donc prime peut-être? Je ne sais pas. Non. Je vais commencer à faire prime avec. Ah non, prime c'est trop long. Je vais faire un survivant assez sur cette map. Donc je me semble. Nope, désolé, je réponds en même temps, désolé. Hein. Il est en ligne, Naku. Donc non, je vous propose voilà, ça. Et par contre, je pense qu'un petit Bo avec sa petite vision, ça peut être pas mal, je pense. Alors, il est où, Bo? Là. Je pense que ça peut être pas mal. J'avais déjà fait top 1 sur cette map avec Bo, justement, et... Et je le trouve intéressant. C'est bizarre. Non, abusé. Mais je suis bête, mais j'aurais pas dû. Je rejoue parce que ouais, j'ai fait une grosse erreur, je suis allé trop. Je me suis précipité trop rapidement et je me suis dit, moi faut que je kill, donc je me suis dit, bah, je vais l'avoir, mais non en fait, pas du tout. J'ai pas fait l'effet de surprise. Ah oh, putain. Mais non. J'en ai marre. Là, je joue vraiment pas bien avec Bo. Je vais changer, je vais désolé de faire autant de fails en vidéo, mais là, ça va pas du tout avec Bo. Faut pas que. Non, pourtant, je vous jure, je faisais des top 1 et tout, et là, rien du tout. Bon, on va prendre la solution de facilité. Billy qui est quand même OP. Je ne sais pas pourquoi, mais elle est beaucoup jouée en ce moment, et elle est OP. C'est depuis que là, j'ai eu son gadget et son. Heureusement que j'avais son gadget là, sinon je serais mort. C'est pas facile, hein. Non mais, bon, on va stopper parce que franchement, là, survivant. Le problème c'est qu'il reste caché, donc c'est un peu dégueulasse, franchement. Moi, je suis pas comme ça, rester caché, ça me saoule, donc. On va faire du brawl ball avec la Billy. J'ai juste voir un peu, voilà, hop. Voilà.
On va refaire et puis je pense qu'après on va stopper. Allez, on est parti. Je suis désolé de ces fails, là normalement je me fail jamais, mais là. Je sors, je viens de faire une peinture, donc c'est pour ça. J'ai pas du tout la tête, mais on est parti. Allez, hop. Il doit avoir le gadget, je pense. Elle est passée à la passe. Non, bon, de toute façon, elle marquait. J'aurais bien voulu marquer, mais bon. Je pense qu'avec cette action, je peux faire joueur star, franchement. Oh, je peux rien faire. Je vais essayer de. Ouais. Je vais essayer de foncer. Du coup, elle n'a pas le gadget, j'ai l'impression, j'ai pas vu. Oh merde. Salut. Bon bah franchement GG au Franck qui a bien joué, je pense qu'il ouais, joueur star largement. Et puis bah, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Franchement, n'hésitez pas à faire vraiment l'événement double jeton, c'est top franchement. Voilà, allez, on va se faire quand même nos trois petites boîtes d'ouverture. Bon, j'ai rien et vous vous rendez compte quand même que mon taux est actuellement à 0,2258. Je suis très triste, hein. Bon, bah, je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!